droite. Nous vous rappelons qu'avant de vous occuper de vos patients, vous devez passer à l'infirmerie pour prendre vos médicaments. Il est 6h, et c'est l'heure de vos médicaments. L'heure de vos médicaments. Le gouvernement vous annonce donc aujourd'hui que plus aucun repas ne pourra désormais être pris sur votre lieu de travail. Il ne protège ni des formes bénignes, ni des formes graves. Il n'empêche pas non plus d'être contagieux. Notre président a décidé que pour être efficace, les doses de rappel Super Boost et Mega Boost anti-Covid devront être injectées désormais une fois par mois. Infirmière, kinésithérapeute, aide-soignante, médecin, auxiliaire de vie, et blablabla, bon, que sais-je encore. Bonjour à tous. Et chez les droits au but, je suis ici venu à Bayonne pour vous dire merci. Merci, mais restons attentifs. Nous luttons ensemble en effet depuis 7 ans maintenant. 7 ans que nous combattons ce maudit virus, comment s'appelle-t-il déjà? La Covid. C'est moi. Chiméré, myocardite, endocardite, AVC, thrombose, neuropathie, stérilité, septicité, paralysie faciale, maladie de Creutzfeldt-Jakob, embolie, anomalie congénitale, fausse couche. Parfois même des proches sont décédés. Parfois même vos enfants. Et malgré tout ça, vous avez tenu bon. Vous êtes toujours là, toujours vivant. Alors, bravo, bravo, bravo et merci pour votre confiance. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est l'immunité collective. Soyons objectifs. Si nous n'avons pas atteint encore aujourd'hui l'immunité collective, après ces 7 années, c'est à cause, et uniquement à cause, de quelques personnes réfractaires non vaccinées. Et je le répète, ce sont des assassins. Un petit groupe de rebelles complotistes désobéissants, autrement dit, une secte, un groupe de criminels. Mesdames et messieurs soignants non vaccinés, je vais faire l'appel et vous avancerez un par un jusqu'à moi. Agent numéro 12413, avancez. Agent numéro 14512. Numéro 15859, avancez. Numéro 14052, 14706, 12502, 45512, 12703, 12472, 14813, 15914, avancez. Vous avez choisi la précarité. Alors on va pas y passer la nuit, hein. On va pas y passer la nuit, je n'ai qu'une seule question. Qu'allons-nous faire de vous? Qu'avez-vous à répondre à cette question? Liberté! Oh là là! Liberté! C'est à cause de vous que notre système de santé est en train de sombrer. Alors, mesdames et messieurs, si vous acceptez aujourd'hui de vous faire inoculer, nous serons indulgents. Il n'y aura aucune sanction. Vous pourrez réintégrer immédiatement les rangs de notre belle armée. Je vais vous demander, un par un, de venir vous faire injecter pour montrer votre bonne volonté à tous ces citoyens ici présents. Vous allez venir vous asseoir sur cette chaise, l'un après l'autre, et un représentant de laboratoire prendra en charge votre injection. Je vais donc faire l'appel et vous viendrez, chacun à votre tour, rejoindre les rangs de la liberté. Agent numéro 12545, s'il vous plaît, avancez. Thank you.
concert, plus de ciné. Si tu n'es pas inoculé, pour profiter, faut le produit magique. Si tu veux vivre, faut d'abord qu'on te pique. Désolé, mon ami, tu n'es plus vraiment un citoyen. Tu n'es rien, t'es condamné au silence. La télé dit que c'est normal. Alors, voyez-moi du mal.